Salut mes petits oiseaux, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une ouverture de colis d'abonnés. Et celui-là me vient de Johan, donc merci Johan à toi avant même de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je te fais d'énormes bisous, c'est vraiment très très gentil de ta part. Et ça fait d'ailleurs un moment que j'aurais dû l'ouvrir, je crois que ça fait au moins 3 semaines. Ouais c'est ça, ça fait au moins 3 semaines, donc excuse-moi pour le retard, d'ailleurs j'ai encore des colis qui attendent. Sans plus tarder, je vais passer à l'ouverture de ce magnifique colis. Hop, c'est parti, comme d'habitude, mon outil. Alors, celui-ci... Non, ça va, il est facile à ouvrir, celui-là. Oh, c'est trop mignon! La première surprise en ouvrant. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Explique Amy, je t'adore, tu es ma youtubeuse préférée et bravo Anéjane. Pourquoi bravo Anéjane? En tout cas, voilà, première petite surprise en ouvrant le bout de carton ici. Et peut-être qu'en ouvrant le deuxième, j'aurai une autre surprise. Non, voilà. Donc ici, il y avait un petit pika. J'adore les effets de surprise comme ça, c'est vachement original en tout cas. Merci beaucoup, Johan. Ah, c'est super bien fait. C'est trop joli. Plein de piquets bisous, je suis abonnée à ta chaîne. Oui, je me doute. Alors toi, Picami, et toi, Néjane. Notre future chaîne Pika et Evo vous adore. Ah, parce que du coup, tu auras une chaîne YouTube, bah du coup, il faudra que tu me le dises. Alors, voir adresse au dos, ok. Donc du coup, ça, je vous montre pas, mais je vais quand même vous montrer le dessin qui est vraiment super chouette. Donc avec les signes mâle et femelle. Donc ici, c'est moi. Avec la queue en forme de cœur. D'ailleurs, il avait peut-être oublié de le faire au début. Et ensuite, Néjane. Bah, franchement, c'est super sympa. Merci beaucoup pour ce dessin qui me touche beaucoup. Après, oh, c'est super joli. Il y a plein de jolies choses. Une peluche Pikachu. Alors celle-là, je me rappelle, je l'avais quand j'étais petite. Et peut-être que je l'ai encore sur ma vitrine. Ouais, je crois que je l'ai dans le fond. Ah non, peut-être que je l'ai plus. Faudrait que je regarde. En tout cas, les peluches Pikachu me font toujours super plaisir. Donc merci pour ta merveilleuse peluche. Je la mettrai sur le canapé, hein, encore parce que j'ai plus de place du tout et déjà de me faire la tête. Après, oh super jolie, on a une petite figurine Togepi que je vais passer à la brosse à dents pour la nettoyer. Hop. Mais de toute façon, je fais toujours ça pour mes figurines, hein, qu'elles soient neuves ou pas. Ah, oh, c'est trop trop bien. Alors celui-ci, ah non, j'allais dire c'est un finger puppet, non. Celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc c'est avec Eoko. Oh, je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous savez ce Pokémon. C'est vrai qu'on le voit tellement rarement que du coup j'ai un gros doute. Alors là il y a écrit quoi? Ah d'accord. Ok, bah ça je vais peut-être pas me spoiler parce qu'en fait j'ai lu une partie et je crois que c'est ce qu'il y a dans la Pokébox. Je vous ai pas montré d'ailleurs la petite Pokébox, je garde ça pour la fin. D'ailleurs, là, il y a une petite lettre. Donc la lettre que je vais lire en premier, du coup, parce que je suis en train de regarder tous les petits cadeaux, mais... Ah, il y a un cœur derrière. Un très joli cœur. Franchement, c'est, on sent que c'est fait avec amour, ton colis. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Alors... Waouh! J'adore les lettres comme ça, c'est vraiment super joli. Avec un petit Evoli et un petit Pikachu, et donc ça nous dit « Salut Pikami, c'est Pika et Evo, nom... » Et Pika et Evo, c'est ça, pour Pikachu et Evoli du coup. « Nom de notre prochaine chaîne, nous t'envoyons ce petit cadeau qui, on espère, te fera plaisir. On a 12 ans, notre passion est Pokémon depuis bien des années. On trouve vraiment que tes Pika courriers sont sincères, car on y ressent tes émotions. Enfin bref, tu es notre youtubeuse préférée, Pika Bisou. PS, réponds-nous si tu le souhaites en envoyant un message... » à Hero Yo-Yo par Facebook. Ok, bah je regarderai ça. Bah merci pour le compliment en tout cas. Comment ne pas être sincère avec des gens aussi merveilleux que vous qui nous font des cadeaux chaque jour à Néjane et à moi alors que finalement vous nous connaissez pas, vous nous connaissez à travers internet, les vidéos, mais c'est pour ça aussi qu'on fait des conventions pour des rencontres. Alors, je vais passer à la suite. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà. Ensuite, il y avait une petite figurine d'un Primploop.
Pikachu, génial. Et ce Pikachu là, je crois que je ne l'avais pas. Je suis pas sûre de moi, mais je regarderai. J'en ai tellement en même temps que je ne sais plus ce que j'ai. Et ça, c'est vraiment délire. Je sais pas où t'as eu ça, peut-être au McDo, quelque chose comme ça. Ah, super, un Gravalanche du coup. Qui est assez énorme hein, par rapport à ma tête, vous voyez qu'il est quand même très très grand. Ah, mais c'est super. Et du coup, ça, je voulais pas me spoiler, mais bon. Dialga est pour Pikami et Camerupt est pour Nejan. Donc, apparemment, c'est ce qu'il y a dans la Pokébox. Pokébox que je vous montre tout de suite, d'ailleurs, de Groudon. Nous, on est toujours super contents d'avoir des Pokébox. Et bah, c'est très gentil, du coup, d'avoir pensé à Nejan. Ah, donc, voilà le Camerupt. Et moi, du coup, j'ai le Dialga de Vigueur Spectrale. Ça, c'est vraiment chouette. C'est super sympa. Alors, je vais faire attention à ne pas abîmer les cartes en enlevant le petit élastique. Oh, oh mon Dieu. Ok, je pouvais que réagir comme ça parce que j'ai regardé la carte de derrière et je m'attendais à ce qu'il n'y ait que le Dialga. Et du coup, le reste, c'était la surprise, visiblement, parce que sur le mot, il y avait écrit juste... Camerupt et Dialga. Alors il y a eu le Dialga, mais ensuite il y a eu le Lugia Full Art de Temple de Plasma. C'est la 134 sur 135. C'est une carte que j'adore, c'est un Pokémon que j'adore. Et c'est pour ça aussi que ça me fait dire que tu me connais vraiment très très bien. Parce que du coup tu sais que Lugia c'est mon légendaire préféré. Et je suis vraiment sous le coup de l'émotion là, c'est magnifique. J'ai même pas regardé les autres cartes que déjà je suis super contente. Lugia Foulard de Tempête Plasma, c'est l'une de mes cartes préférées en plus. Donc vraiment, t'as mis dans le mille ou vous avez mis dans le mille parce qu'à chaque fois tu me parles de votre chaîne, Pika et Evo. Donc du coup je suppose que c'est peut-être ta petite sœur ou autre. Faudra que tu me dises un peu plus en détail dans les commentaires. Ok, bon ensuite j'ai vraiment de merveilleuses cartes avec un décélion holographique. J'ai que des holographiques. Waouh! Et en plus des holos que j'avais pas, le Libégon je l'avais pas et le Ludicolo je l'avais pas. On a une promo avec des séviantes promo, des tripacks holographiques, attention. Un Dialga holographique de platine de base. Ensuite Ludicolo holo de Primochoc. Super jolie cette carte. Ensuite Manaphy de Primochoc aussi. L'une des plus belles holographiques aussi de la série pour moi. Et là, mais alors, Libégon Holo de Primochoc, que je n'avais pas non plus dans ma collection, j'ai jamais réussi à l'avoir. Elle est juste incroyable cette carte, faut dire ce qu'il y est. Et bien sûr, comme tu me connais vraiment très très bien, un Pikachu de la série Eau Majestueuse. Donc c'est vraiment incroyable, hein. Merci pour ce cadeau, merci énormément. Et du coup, je ne sais pas ce que Nejan aura lu. Je pense qu'il fera aussi une dédicace dans son Poképost. Bon, et bien, beaucoup de choses dans ce colis, mine de rien. Je suis vraiment extrêmement touchée de tous tes petits cadeaux. Ça me fait super plaisir. Et n'hésite pas à me mettre un petit message dans les commentaires. C'est vrai que j'aurais dû mettre ton colis et être ça pas mal de temps. Mais je suis vraiment très très touchée par l'attention. Que ce soit la petite lettre, que ce soit les compliments, que ce soit les cadeaux. Merci énormément, je sais pas quoi te dire, je te fais plein de piques à bisous et d'ailleurs je fais plein de piques à bisous à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Salut !